Bonjour. Alors voilà, la saison apicole a bien débuté sur l'Ifou. Et donc on a commencé à récolter du pollen. Donc voilà, je vous emmène en visite. Donc voici la trappe à pollen. C'est une trappe de type plateau. Un plateau modifié. Avec une petite languette qui dépasse sur le côté en blanc. C'est le peigne. Que voici. Qui est percé de trous. Le trou de la taille de l'abeille. Alors on va essayer de zoomer pour voir un petit peu. Voilà. On voit il y a quelques mâles dehors. Et derrière, est-ce que vous voyez les petits trous de la taille du corps de l'abeille ? L'abeille passe à travers. Ça décroche une partie de pelote qui tombe dans le panier qui est dessous. Voilà. C'est le trou à mâle, utilisé aussi pour les ouvrières, qui permet au mâle d'entrer et surtout de sortir de la ruche malgré la présence du peigne. La plupart du temps, j'y vais sans fumée pour éviter de dénaturer le pollen avec l'odeur de la fumée. Elles sont assez cool ici, donc c'est possible. Bon, si jamais elles sont un petit peu plus pétasses, je serai là. L'enfumoir est bienvenu. Donc la petite brosse à dents. Là, il y a une nappe de faustaines qui s'est installée dans la petite rainure. Donc le but du jeu, c'est d'enlever toute trace de pollen dans la trappe pour éviter que les restes moisissent et que ça abîme la production du lendemain. Voilà. Donc la brosse à dents est aussi utile comme petite brosse à abeilles pour éviter d'aller les écraser. Et puis surtout, ne pas oublier de bien nettoyer les traces des faustaines qui se logent là où les abeilles n'ont pas accès. Et voilà. S'il y a besoin d'enlever les peignes, par exemple si le mauvais temps arrive, l'utilisation de la fumée est indispensable parce qu'en enlevant les peignes à pollen, ça fait guillotine. Les abeilles qui passent à l'intérieur à travers les trous se font guillotiner. Donc pour ça, j'utilise la ventilation, justement une fois la trappe enlevée, il y a le petit grillage dessous. Et donc j'enfume copieusement par-dessous pour que les abeilles qui sont en train de passer là, s'écartent. Et là. Voilà. Waouh, gros policier.